Mardi 23 janvier 2024, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, voici les titres. La nouvelle ville de Tanamasuanj, dans la commune d'Imirtiatousk, du district d'Arivunmam, sera le site où sera lancée officiellement ce vendredi 26 janvier 2024 la campagne de reboisement de cette année 2024. Les navires amarrés le long des côtes de Madagascar ne font pas encore l'objet de contrôles réguliers, un fait à l'origine de la multiplication des cas d'exportation illicite, selon le directeur général du service des douanes. Les étudiants sont dans l'attente d'une amélioration de la situation dans les universités, une amélioration qui devrait être initiée par le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont précisé les étudiants lorsqu'ils se sont adressés à la presse ce jour. En Ukraine, la Russie a mené mardi une série de frappes sur la capitale ukrainienne Kiev, la ville de Kharkiv, la région de Dnipropetrovsk, dans le centre et l'est du pays, faisant au moins 6 morts et 80 blessés, ont déclaré des responsables ukrainiens. À la une des actualités, la nouvelle ville de Tanamasuanj, dans la commune d'Imirtiatousk, du district d'Arivunmam, sera le site où sera lancée officiellement ce vendredi 26 janvier 2024 la campagne de reboisement de cette année 2024. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État, Andras Zouen, sera à la tête de la délégation gouvernementale. Les jeunes arbres seront plantés le long du fleuve vert de Tanamasuanj, selon les informations émanant de la présidence de la République. Les détails avec Ftiavana Doni sur les images de Yves Assat. Le président de la République, Andras Zouen, a toujours été en première ligne lors des précédentes campagnes de reboisement de ces 5 dernières années. En 2023, la dernière campagne de reboisement dans le cadre de son précédent mandat s'était tenue à Ilaka Est, une commune rurale du district de Vatomanj. Cette année, qui marque le retour d'Andras Zouen au pouvoir, le numéro 1 du pays a choisi la nouvelle ville baptisée Tanamasuanj pour être le site de lancement de la campagne de reboisement 2024. Tanamasuanj est un projet qui tient particulièrement à cœur à Andras Zouen. En créant cette nouvelle ville, il a voulu concrétiser son vœu relatif à la modernisation de la capitale de Madagascar et, par la même occasion, résoudre les problèmes liés à la surpopulation d'Antananarivo. Tanamasuanj sera une ville moderne et une ville pilote en matière d'infrastructure. D'ailleurs, Tanamasuanj n'est pas resté un projet sur papier. En juin 2021, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a démarré le chantier y afférent. Le choix d'inclure des espaces verts dans la nouvelle ville n'est pas fortuit. Il démontre une nouvelle fois la volonté de Andras Zouen de continuer de finaliser le chantier de Tanamasuanj, une ville moderne et écologique. D'ailleurs, les jeunes arbres seront plantés le long du fleuve vert de Tanamasuanj, selon les informations émanant de la présidence de la République. La campagne de reboisement sera officiellement lancée ce vendredi 26 janvier 2024. Le premier ministre Tsai Christian, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable Max Fontaine, ainsi que de nombreux représentants des autorités assisteront le président de la République, Andras Zouen, lors de la cérémonie de lancement de la campagne de reboisement au titre de l'année 2024.
Les navires amarrés le long des côtes de Madagascar ne font pas encore l'objet de contrôles réguliers, un fait à l'origine de la multiplication des cas d'exportation illicite, selon le directeur général du service des douanes. Pour endiguer ces trafics illicites, une nouvelle stratégie dont le recours à l'utilisation de drones pour la surveillance des côtes de Madagascar va être mise en place d'ici le mois de février, a déclaré le directeur général du service des douanes ce jour, propos recueillis par Sainte-Échelle intérimienne. Les bateaux qui sont stationnés au large des zones de juridiction du service des douanes ne sont pas tous systématiquement couverts par les contrôles des responsables concernés, d'après le directeur général du service des douanes. Pourtant, à cause de cette absence de contrôle systématique, les actes de contrebande ou d'exportation illégale se multiplient. Le service des douanes ne dispose pas encore d'équipement aux normes permettant une surveillance à distance des côtes du pays. D'après les explications, une nouvelle stratégie va donc être mise en place afin de résoudre cette situation. Des drones vont notamment être utilisés pour surveiller les côtes de Madagascar. Auparavant, c'était les patrouilles maritimes, en collaboration avec le service des douanes, qui effectuaient les descentes sur terrain pour réaliser la surveillance des côtes. Des patrouilles qui pouvaient durer jusqu'à un mois lors de certaines opérations de traque le long des côtes en cas de suspicion d'actes d'exportation illicite. Le service des douanes s'était réuni la semaine dernière au sujet de la nouvelle procédure à adopter. Cette nouvelle procédure est prévue être mise en œuvre à partir de février, a déclaré le directeur général du service des douanes lors d'une conférence de presse ce jour. Les étudiants sont dans l'attente d'une amélioration de la situation dans les universités, une amélioration qui devrait être initiée par le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont précisé les étudiants lorsqu'ils se sont adressés à la presse ce jour. Malgré les efforts déployés par la précédente ministre, de nombreuses lacunes ont été constatées, occasionnant même la suspension des cours auprès de certaines universités. Les étudiants espèrent donc que le nouveau ministre va poursuivre les réalisations déjà entamées et combler les lacunes constatées en effectuant entre autres des descentes auprès des universités pour constater de visu la situation sur le terrain. Reportage sur le récit d'Elisa Herman et les images d'Eric Ranefson. Les étudiants de l'université d'Antananarivo ont de nombreuses revendications à faire valoir auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nouvellement nommé. Ces étudiants de l'université d'Antananarivo sont confrontés à de nombreux problèmes, tant sur le plan de l'enseignement que concernant les infrastructures des cités universitaires qui sont toutes en mauvais état. Les revendications de ces étudiants ne sont prises en compte même lorsque leur ras-le-bol se solde par des descentes dans les rues, provoquant souvent des débordements comme cela a été le cas de nombreuses reprises l'année dernière, pour ne citer que la manifestation des étudiants demandant la reprise de l'enseignement. Les étudiants avaient également manifesté pour exiger le paiement de leur bourse. Ils avaient également revendiqué la réparation des infrastructures de logement des étudiants, ainsi que le retour de l'approvisionnement en eau auprès de l'université et dans les cités universitaires. Le manque d'attention porté aux étudiants universitaires est en partie à l'origine de ces revendications d'après les étudiants, raison pour laquelle ces derniers demandent à ce que le nouveau ministre effectue une descente auprès des universités afin qu'ils puissent constater de visu les réalités, les problèmes rencontrés par les étudiants à l'université. Une prise de mesure immédiate est attendue de la part du ministre de tutelle lorsqu'il aura réalisé cette descente sur le terrain. Ces étudiants réclament également que soit reportée la date limite de clôture des inscriptions, surtout auprès des départements qui n'ont pas encore sorti les résultats de leur examen. L'Ordre national des infirmiers de Madagascar accueille à bras ouverts à tout soutien dans son effort de remettre dans le cadre légal le corps des infirmiers en vue de redorer son image. Ainsi, la création d'une association, l'ANIM, Association nationale des infirmiers de Madagascar, arrive à point nommé. Le président de l'association de mentionner que seuls les infirmiers déjà membres de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar pourront adhérer à l'association. L'ANIM a été officiellement présentée au public ce jour. Mikael Djimboulaz et Fidra Koutmanal était à Befelatanan pour ce faire.
Les infirmiers de Madagascar n'avaient aucune association pour se regrouper depuis 15 ans maintenant, après l'élection des membres du Bureau de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar. La création de l'Association des infirmiers de Madagascar a également été autorisée. La mise en place de cette association a pour but de décharger l'Ordre des infirmiers de Madagascar de certaines de ses responsabilités. Selon le président de l'ANIM, cette dernière se focalisera sur le volet social du corps des infirmiers de Madagascar. Selon son président, l'ANIM soutiendra par exemple l'Ordre national des infirmiers de Madagascar dans l'établissement de la nouvelle maison des infirmiers. Seuls les infirmiers inscrits auprès de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar pourront adhérer à l'ANIM. Guillaume Igo Tuturik, président de l'ANIM, a également noté que le bon exemple de la part des membres de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar ne peut que motiver encore plus l'ANIM à œuvrer pour l'intérêt commun des infirmiers à Madagascar. Selon son président, la présentation officielle de l'ANIM avec les représentants de chaque région a eu lieu ce jour au siège de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar, à Befelatanan. Les préparatifs du Congrès national des infirmiers de Madagascar, prévus pour les 25 et 26 janvier 2024, ont également été évoqués. Passons maintenant aux actualités internationales. En Europe, en Ukraine, dans une guerre qui durera bientôt 2 ans, la Russie a mené mardi une série de frappes sur la capitale ukrainienne, Kiev, mais aussi dans la ville de Kharkiv et la région de Dnipropetrovsk, dans le centre et l'est du pays, faisant au moins 6 morts et 80 blessés, ont déclaré des responsables ukrainiens au micro de France 24. Le centre-ville de Kiev a été touché, vraiment le centre-centre non loin du quartier gouvernemental. J'étais sur place un peu plus tôt, j'ai pu parler à un travailleur des urgences qui m'a dit que ce n'était pas encore clair si c'était une roquette qui avait directement atteint son cible ou si la roquette avait été touchée par les systèmes de défense anti-aérien. En tout cas, d'habitude, on considère que le centre-centre de Kiev est protégé par les systèmes de défense antiaérien. Cela faisait plus d'un an que des endroits aussi près du centre-ville ont été touchés. Mais là, je n'ai pas pu filmer ou faire des directs parce qu'ils considèrent que c'est un objet stratégique. Je pense que c'est un bâtiment industriel qui a été touché, mais on ne sait pas si c'était une usine qui fonctionnait ou une usine à l'abandon ou autre chose. Dans le quartier, en fait, il y a plusieurs usines qui ont été converties en café ou en restaurant. Mais là où je me trouve en ce moment, c'est Sviatoshin au nord-ouest de Kiev, l'un de plusieurs endroits dans les banlieues de la ville où des fragments de roquettes ont causé des dégâts. Ici, il y a beaucoup de fenêtres qui ont été brisées. Une maison un peu plus loin a brûlé. Les sauveteurs m'ont informé qu'un peu par miracle, les deux personnes qui étaient dans la maison ont survécu. Le monsieur était dans la salle de bain. La femme a pu sortir suffisamment. Mais ailleurs, à travers l'Ukraine, il y a au moins 5 morts et plusieurs blessés. À Kiev, au moins 13 hospitalisés. Et il y a eu des frappes à Kharkiv qui ont touché des immeubles d'appartements. Et je pense que là, il est possible qu'ils vont découvrir beaucoup plus de victimes. Si je comprends bien, les travailleurs sont en train de chercher dans les décombres à Kharkiv. En Afrique du Nord, dans le sud du Maroc, à environ 2 heures d'Agadir, le village d'Imouzouane concentre l'attention. Depuis quelques jours, des bulldozers démolissent toutes les constructions en bord de plage, ce qui surprend les populations locales. C'est le délai très court qui leur avait été imposé pour quitter les lieux. Le village est notamment réputé des touristes pour ses plages de surf. Les détails sur France 24. Cela fait maintenant 5 jours que le climat d'Imsouane a radicalement changé. Mercredi dernier, les autorités ont donné un avis de 24 heures aux centaines d'habitants et de commerçants du bord de mer pour quitter les lieux. Une décision qui n'est pas une surprise, tant l'économie informelle s'est construite au fur et à mesure des années sur des terrains que les gens savaient être potentiellement récupérables par l'État. Mais c'est surtout la soudaineté de l'annonce qui a surpris et choqué les habitants. Un d'entre eux nous racontait que ses grands-parents étaient pêcheurs ici depuis
les années 1910 et voir tout cet héritage familial qui avait été amélioré, dans lequel il avait investi au fur et à mesure des années des revenus générés par l'attrait touristique de la ville, voir tout cet héritage être détruit en quelques jours seulement par les bulldozers, c'était inimaginable il n'y a ne serait-ce qu'une semaine. Les touristes de leur côté sont assez ébahis, ils ne comprennent pas ce qu'il passe. Certains sont arrivés deux jours avant les destructions et ils ont pour la plupart renoncé à leur séjour, se disant incapables de continuer à surfer dans la légèreté. Face à une telle destruction d'humanité, ils étaient venus en recherche de simplicité, en recherche de vacances pas chères, ce qui faisait la marque d'Imsouan. Eh bien, aujourd'hui, ces destructions pourraient laisser place à de grands complexes hôteliers, ce qui va à l'encontre, nous explique beaucoup de surfeurs, de l'esprit d'Imsouan et de ce pourquoi ils étaient venus en premier lieu. Beaucoup ici nous expliquent que si cette ville est à ce point-là transformée, ils ne voient pas l'intérêt d'y revenir un jour. Voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malgache. À tout de suite.